Et bonjour tout le monde, c'est Revanzmille et c'est dans la panique absolue que je tourne ce contenu parce que je n'ai plus rien du tout. C'est la merde. C'est-à-dire que j'ai tourné... Attendez, le casque, saloperie. J'ai tourné il y a à peu près 2 semaines et j'ai plus rien. Au secours, enfin 2 semaines, non, la semaine dernière. À part les 4 vidéos que vous avez eues cette date d'hier, qu'est-ce que c'est que ça? Oula! Oulala, qu'est-ce qui s'est passé? Oulala, là là, il y a eu plein de trucs. Jouer 5 serviteurs avec le maintenant, noyau de cristal. Ouh, bah il y a eu plein de trucs en fait. Oh, il s'est passé des trucs. Bon, je m'en contrefous en fait. Ça, c'est dans 3 heures, c'est pas pour l'instant. Ça, vous l'aurez à partir de vendredi. J'en étais où moi là-dessus? Chasse aux monstres. Ah, avec trafic temps. Merde, j'ai oublié que j'avais ça à faire. Chasseur ou un mage. Ouais, bon, on va faire une aventure. On va continuer. Hein. On va continuer avec le canonnier. Toujours sur mon setup d'emprunt, mais avec la connexion à peu près viable. Donc voilà, ouais. Ouais, c'est tout, j'ai pas mieux à dire. On ne joue plus cette fois, ouais, ferme-la. Ouais, ouais. Voilà, cette espèce de boss à la mort moelle que j'ai OS la première fois que je l'affrontais. Regardez mes vidéos de Maître Chien Chaud, la victoire. Sinon, j'ai abattu sa confrère avec Toki. Regardez mon épisode 29. Ouais, 29. Donc, comment en finir avec Toki? Même si je l'ai pas appelé comme ça. Darius contre Nira. Ah oui, Nira, c'est elle. Ah ouais, sert à rien. Nira, elle sert à rien du tout. Non. En fait, Nira, elle se tue toute seule. Clairement, elle se fout des tréants de deux. Ouais, 22 PV, je sais, merci. Non mais, je veux voir son bonus, c'est quoi déjà? Pouvoir héroïque. Ah non, donne plus un plus un, je croyais que c'était celle qui se butait toute seule. Non, non. Ah oui, je veux les animations, ouais, ouais. Puisque j'ai non-œil. Ça va être très con à jouer. On va pas lui laisser jouer de bestiole. Donc là, infliger un point de dégâts et tac, et tac. Et merde, il se booste le con. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Et on va taper à 7. Voilà, nickel. Et de toute façon, je me heal de toute façon à la fin du tour, donc je m'en fous cordialement. Parfait. 2 points de dégâts en plus. 5, 6, 7, 8. Donc on va jouer ça. Un jour, je serai chevalier. Et merde, oh mais je suis débile. Donc tu vas faire ça. Je suis encore plus con. Non mais je suis un abruti fini, c'est pas possible. Je sais pas ce que j'ai branlé mais j'ai fait n'importe quoi. On va peut-être oser mettre ça sur le dos de la fatigue parce que je suis dans les vapes, je suis levé depuis 5h du mat. Même moins. 4h45. Donc je suis un poil dans les vapes, un poil au nez. Est-ce que... Non, ça sera pas intéressant. Provocation, plus 3 d'attaque s'il est blessé. Bon, là, il aura du mal à passer. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, il passe. Ouais, voilà. 3, 7. À vos serviteurs, c'est dommage. C'est dommage. Il m'inflige que 6. Ouais, on va faire la demoiselle du lac. On va d'abord faire ça. Demoiselle du lac. Je suis libéré de la malédiction. Le pouvoir héroïque qui coûte 1, donc ça c'est bon. Je suis en train de gagner. Si tu le dis. Ouh, et c'est juste.
Prenez cette Donc lame. Déjà ça. Est-ce que je vais pouvoir en fait? Non. Non, tu déconnes. Non, non, non. Non, tu déconnes, je peux pas. Oh non. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis dégoûté. Oh, le fail. Oh, le gros fail, je suis dégoûté. Oh, mais quel boulet. Je pensais en fait en boostant celle-là que je pouvais la finir au canon. Mais non, j'avais oublié que ça marchait pas comme ça. Oh, je suis un boulet. Bon, trafic temps, reviens. Ouais, non. Trafic temps. J'ai deux victoires à finir avec elle, j'ai un booster après. Toki. La Toki Toki, reviens. On revient avec trafic temps. C'est une valeur sûre. Comme Maître Chien Chaud, c'est des valeurs sûres. Si t'as le bon combo. Après, si t'as pas le bon combo, c'est pas terrible. 2, 1, 2. Cette voix. Ah, gru. C'est vrai que j'avais perdu contre Globals. Avec elle, hein, vous l'avez sur la chaîne. Ça va être ma vengeance. Tour 1. Tour 2. Et miap. Parce que j'ai pas de sort. Ou tour 2. Est-ce que je tente ça ou ça? On va tenter ça, on va voir ce que ça donne. Place un serviteur aléatoire dans votre main, il coûte 3 cristaux de moins, ça me permet de le booster encore plus. Et n'a pas gueule. Je peux attendre et pêcher toute la journée. Non, j'aime bien ce combo là, je le garde. Oups. On va tenter ça. Non. Non, non, je veux pas le faire comme ça parce que ça m'intéresse pas. Là, ça me refait exactement les mêmes effets, donc on est bon. On retente. Oh, mais tarasse. Il faut que je me débarrasse de la 80 à la con. Parfait. Ah, oh, mais... Moi, ça, c'est Nat Pagel qui a pris, donc c'est bon. J'aurais pu le finir si j'avais joué ça au tour précédent. Je pense que j'aurais eu la chance qu'il faut. Ouais, 9e victoire avec Toki. Ah bah c'était fait. Je croyais qu'il avait, il avait un point de vie de plus. Bon, le vautour c'est réglé. Problème, voilà. Problème numéro 2. On passe à la suite. Ah, cristal de mana de... coûte un cristal de moins à chaque fois que vous en avez un. Ouais, ça c'est... Non, ça c'est... Voilà, ça c'est fini, y'a que ça. Magie sauvage. Inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire et le gel. Entre tous les adversaires, lance 3 missiles. Vos mechas coûtent 1 de moins. Et... Ouais, non. Donc ce sera la magie sauvage qui sera très intéressante. Contre... Nira, la vengeance. Je pense que la vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais ouais, c'est très bien. Un peu plus longue que d'habitude pour le bois maudit. C'est un deck répétition de sort. Là, je vais tenter de jouer sur la répétition de sort. Ça, on s'en fout. Et ça, c'est un peu cher pour le tour 1. On va garder la 2, le bombardier fou. Les bombardiers fou. Inflige 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire et le gel. Bonjour. Bonjour. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai eu envie. Je sais pas, j'ai eu envie. Ça sert à rien, je suis d'accord. Entendre ça. Oh, quoique. Parfait. Là, j'ai pas besoin de plus. «
Les trois missiles, très intéressant. Chaque fois que vous voilà. Ouh. Non, recommence. Je vais rejouer le portail, mais j'espère avoir mieux. Parce que là, c'est pas extraordinaire. J'ai un adversaire. Très intéressant, mais pour plus tard. Charge et bouclier divin. Ça, c'est intéressant. Cri de guerre, donc gèle-moi cette merde. C'est presque mieux. J'ai envie de dire, c'est presque mieux. J'attends qu'il joue une bête de plus. Voilà, parfait. Parfait. Enfin, parfait. Presque parfait. 1. 2. Je préférerais que ça gèle ça, en fait. Oh, coco. Ouais, ça, on peut s'en débarrasser comme ça facilement, donc non. Moi, c'est très bien. Et la 10e victoire est proche. Un autre serviteur, soit un Diablosaur, soit un Nécurie 5-5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e victoire. La revanche est là. Née, est là. Pas besoin de jouer plus. Finalement, Toki, je ne l'aimais pas au début, mais intéressante. Le coup de rejouer un sort, j'aime beaucoup. Et le paquet de la chasse monstre était obtenu. Hop. Non, paquet d'abord. Priorité, paquet. Ouvrir, paquet. Même s'il n'y en a pas beaucoup, paquet. Priorité. Ouais. Vous piochez un serviteur au coup le plus bas de votre deck, moyen. Là, je vais pouvoir commencer à me faire un deck dragon intéressant. Je commence à avoir pas mal de choses. Ça coûte par contre excessivement cher, c'est le défaut. Mais je vais pouvoir bientôt me faire un deck dragon. Quête, j'ai quoi? Non, rien de plus. Ah bah ça y est, j'ai enfin avoir les quêtes qu'il me faut. Donc on va pas s'arrêter là, on va reprendre, on va choisir les cartes de la fin et on va s'arrêter là. Donc machine, magie sauvage ou élémentaliste. L'élémentaliste c'est intéressant, mais il faut avoir suffisamment d'élémental, ce que je n'ai pas. Ça par contre c'est intéressant, donc magie sauvage, on reprend. Et donc on va s'arrêter là, donc si cette vidéo du bois maudit vous a plu, n'hésitez pas, pouce bleu, commentaire et abonnez-vous à cette chaîne, pardon. Et bye bye, c'était Revanceville.